was formé. Céleste fleur que Dieu fit naître pour consoler l'humanité. Fils de Marie, un bleu domaine, remplis-nous de ta charité. Je la garde, elle est toujours belle, et rien ne saute vers la flétrie. J'irai dans la tombe avec elle. Amen. Avec ton pasteur Jean-Marc. On nous prier le peu que nous y est. On nous prier parce que nous avons ajouté à nous-mêmes quelques autres qui peuvent suivre nous. Et ainsi à soi, on a passé un moment ensemble. Vous connaissez la pluie qui a fait de yoa, qui est capable de déjà affecter ça et qui a fait un plan pour venir. Mais toutefois, on a géré ce temps que nous passons ensemble sagement. Et puis, et on a pu combien que il était bon, là nous va finir pour être que combien il était bon pour te venir, pour nous être là ensemble. Mais avant que nous fassions ça, nous faisons notre prière pour préparer cœur nous et dans l'étude que nous allons faire. Papa, nous qui dans le ciel là, nous remercions pour la journée que tu as accordé nous. Nous remercions pour grâce et bonté à l'endroit de nous-mêmes. Nous remettre bas haut dans moment ça tout si là qui gantan rivé joindre nous et n'a demandé dans le nom de Jésus pour capable assister nous fait que moment que nous va passer là capable un moment qui béni. Nous comptons sur cher Seigneur, nous comptons sur doux Jésus. Nous prions pour si là qui a traversé des moments qui difficiles même dans moment ça que la paix saison ça a apporté, que la paix, que la joie qui m'a chaque saison ça a capable de toucher tout et rappeler nous tout ce, spécialement si là qui connaît tant que si là qui pour qu'on connaît rappeler fortement que Jésus-Christ est raison saison. Restez avec nous ces prières nous adresser à vous-même dans le beau nom de Jésus. Amen. Et tournez bien dans Luc chapitre 2, Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, m'appelle pour même quelques versets. Et puis avec ça, m'appelle introduit ça nous n'a fait à soi. Et quel que soit quel que soit Jean ça y est, on va sortir avec en pile bagaille en termes de enseignement qui peut aider en vie chrétienne. Maintenant, Luc chapitre 2, m'appelle pour même, verset
8 et arrivé dans verset 20. Luc 2, verset 8, arrivé dans verset 20. OK? Tandis qui ça que le dit? Luc 2, dans verset 8, arrivé dans verset 20. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leur troupeau. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allaient en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait en son cœur. Et verset 20 dit, et les bergers s'en retournèrent. Et leur retournèrent, c'est qui ça nous a fait? Les bergers s'en retournèrent. Qui ça a fait? Glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen. Bon, nous assoya et après pour des questions. Et ces questions, moi content répondre à eux-mêmes, mais ces questions qui déjà là et nous voulons réfléchir sur la naissance de Jésus-Christ. C'est des questions sur la naissance de Jésus-Christ, des questions sur la Noël, sur saison ça. Nous sommes là et la naissance de Jésus-Christ et l'annonce des anges à l'endroit des bergers, anges sautent dans le ciel, viennent porter nouvelle là par les bergers. Jusqu'à présent, pile l'église évangélique confuse par rapport avec naissance de Jésus-Christ. Il y a l'église qui pas vraiment par saison sa valeur. Et puis il y a l'église tout qui pas jamais quitté en rien, fait oublier valeur saison. Qu'il y a quelques questions que n'a pas répondre et n'a pas cherché réponse à la lumière de la Bible. De pour chercher une réponse à la lumière de la Bible, comme on d'accord que le pas d'accord, la Bible j'ai fait un boucherie parce que c'est dans la Bible là nous jouons. On ne doit pas vouloir faire des bagailles. Tout le monde n'est pas obligé de vouloir faire des bagailles. Faire même des bagailles. Mais lorsque c'est la Bible qui a la réponse, là, il est clair pour nous-mêmes. Maintenant, première question que nous avons posée pour Assoya, Christ est-il né un 25 décembre? Est-ce que Jésus-Christ est fait 25 décembre? Et la réponse là, c'est non. Jésus-Christ n'est pas fait 25 décembre. Et une raison qui fait que Jésus-Christ n'est pas fait 25 décembre, c'est parce que dans le passage que nous sommes là, dans la lecture que nous sommes fait là, il fait nous connaître que le ange soutenant le ciel vient porter annonce par les bergers que Jésus-Christ fait. Bible a fait qu'on est dans verset 8, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leur troupeau. Si Jésus-Christ est fait 25 décembre, dans la période qui entoure 25 décembre, c'est la période côté que le fait fret, c'est pour la période où tu as berger dans les champs, les veilles de la nuit. Et tout théologien, tout commentateur, en pile, ils entendent sur ça, ils disent comme ça, Jésus-Christ,
li fait naissance Jésus-Christ yo placé dans zone mars et avril et dans le ça Jésus-Christ t'a fait pour t'a qui pour t'a permettre que berger yo trouvé yo dans les champs les veilles de la nuit pour garder leur troupeau parce que si berger yo t'a trouvé yo dans champs les veilles de la nuit yo pas t'a trouvé yo non yon moment comme ça non période côté qu'elle fait fret et puis pour que c'est là ça il a pas garder troupeau yo mais maintenant question si Jésus-Christ pas né 25 décembre côté yo joine 25 décembre là OK soit l'histoire ou joine que dans l'empire romain yo hérité yon fête pour plus clair. Alors, pour parler de façon plus claire, tu as en fait que tu as fêté, tu as la fête du soleil invaincu. Songez à la fête du soleil invaincu. Qui ça fête là? C'est que c'est pendant plusieurs mois, le soleil là pas te lever. Le soleil là réussit à paraître, ils font une grosse fête pour le soleil là. Et puisque ils font une grosse fête pour le soleil là, yo tout profiter à fêter divinité qui derrière soleil là, on divinité païenne. On divinité païenne, il était Mitra. Maintenant, là on a parlé de la fête du soleil invaincu, c'est une fête païenne que le dit. Les patrons les Noël. Mais son fête de tradition païenne que on devrait célébrer 25 décembre. Maintenant, attendez, logique là bien oui. Lorsque gagnon empereur romain qui était empereur après il était général devenu empereur c'est Constantin t'a mené un combat contre une armée ennemie et puis l'histoire fait qu'on est que avant Constantin a gourmé avec l'armée ennemie hein, il révélé un témoignage dit que li font vision et dans vision li wè gon signe qui marqué dans ciel là in hoc signo vences en latin on signe qui veut dire par ce signe tu vaincras. Constantin te comprendre dans sens ça bon Dieu parla avec lui li met al goumen la remporter la victoire puis sous base ça Constantin al goumen vraiment avec l'armée romaine là li remporter la victoire et on connaît sautant premier et troisième siècle chrétien yo té en bas en pile persécution. En pile persécution sous différents empereurs romains. Et parti grâce mourir, moun mourir. L'âge de la persécution de l'Église. Et bien, ça qui est arrivé, c'est que les Constantin, ouais, que li remporte victoire, l'histoire dit que Constantin convertit. Alors, c'était moi avec lui. Constantin convertit au christianisme. Et puis, Constantin déclarait la liberté religieuse dans l'Empire romain. Liberté religieuse veut dire ça, pas gain persécution encore. Avec Constantin et liberté religieuse, entre 323 à 360, alors bon espace ça, c'est dans espace ça que gain un pape romain que t'es libère, le pape libère. Ou qu'on est et dans époque n'a pas les liberté religieuse, ou vinn gagner toute l'église qui a fonctionné et vinn gen la hiérarchie papale notre principal qui doit sauter l'église pour joindre tout côté et dans pape là il était doit sortir et si c'est comme ça pape libère l'histoire dit lorsque il réalise que pendant 25 décembre c'est le samonio consacré à toute activité païenne. C'est gros fête païenne, gros fête idole dans l'Empire romain. Et il y a que dans moment ça yo chrétien yo, c'est tant qu'yo à l'écart. Yo quitté c'est païen à bambiler à babocher, chrétien yo à l'écart. Et puis pape libère chercher situer fête naissance Jésus-Christ. Yo placé le 25 décembre. Là, yo vinn placé le 25 décembre,
li vin koze ke ekla fèt payen yo te genyen, ou konprann? Li pa gen menm ekla anko, parce que vin gon paquet moun kounye a, et chrétien yo te an pil dan l'Empire Romain, même après toute persécution religieuse, vin gon paquet moun kounye a qui focus sur la célébration de la naissance de Jésus-Christ. Ainsi, 25 décembre, non? Pas oublier, dans la tradition païenne de l'Empire romain, c'est la fête du soleil. Mitra, la fête du soleil invaincu. Yo fêté soleil, là, que t'es fait des mois, le pas de paraître. L'aile paraître, yo font gros fête, yo fait échange cadeaux, yo manger, yo danser, yo fait toute qualité activité. Tout le monde bambouché, ça c'est pas rien. Mais, avec Pape Liber, qui vini placer célébration naissance Jésus-Christ 25 décembre, eh bien, date ça a tout été dans la tradition chrétienne. Gen moun ki pa reme le fait que date ça quelques chrétiens observent. Parce que dit comme ça, son date qui sorti dans liberté religieuse Constantin te bay, son date qui sorti de Pape Liber 25 décembre que le te prend au lieu et païen qui a fêté la fête du soleil invaincu, mais balance la fait que chrétien qui a fêté la naissance de Jésus-Christ. D'ailleurs, dans la Bible, dans Luc chapitre 1er, il compare Jésus-Christ à un grand soleil. Dans Luc 1er, il dit comme ça, le soleil levant nous a visités d'en haut. Mais le problème, en plus, mon gain, c'est que son pape quitte le 25 décembre. Et c'est Constantin qui a déclaré liberté religieuse. Qui fait que chrétien pas supposé et prend en rien qui sorti dans décision yon pape. Et qu'on y a là, ça m'a dit pour aller dans la Bible là. Pour aller dans la Bible là pour nous, est-ce que le fait que gon date qui choisit pour célébrer la naissance de Jésus-Christ et que date ça a coïncidé à une fête païenne, est-ce que ça fait que fêter naissance Jésus-Christ non bah pas rien pour ça? C'est tant qu'ou wap ben yon ti bébé non cuvette et puis de l'eau vin sale et pour décider que l'aide de l'eau sale wap jeter bon reste là et ni de l'eau ni ti bébé. Eh bien, dans le contexte que m'a parlé là, m'ta souhaité qu'on comprenne, c'est que bon Dieu qu'on permet des fois, il y a un monde qui pas vraiment connaît, un monde qui pas même connaît le bien, un monde qui pas même te dans erreur, lui prend une décision qui glorifie le nom de Dieu. Ça arrive dans la Bible là, oui. Les Israélites étaient en captivité. Et là ils t'ont sorti en captivité, le homme du sud en 445 avant Jésus-Christ. Qui laisse ou qu'on ait quitté bail, quitté signé décret pour sortir de captivité. Et tant qu'il était prophétisé dans Ésaïe chapitre 45. On qui est? Et ton roi pas rien. Il était le Cyrus. Cyrus. Écoutez, est-ce que Israël est capable de dire peut-être ça? Oh, nous te pensons que c'est bon Dieu même qui t'a descendu. Vite mettez nous dehors. Puisque son roi pas rien qui fait nous déplacer, nous pas aller. Bible a gon équipe principe la donne. Si observe principe yo, la pe do répondre en pile question. Si ou son apayen. Dans Isaïe 45, on comment bon Dieu rele Cyrus. Bon Dieu dit comme ça, j'ai choisi Cyrus mon oin. La fait tout samedi. Wali yon apayen capable yon oin de Dieu. Yon oin veut dire yon moun bon Dieu choisi. On moun bon Dieu voyé. Bon Dieu qu'elle a choisi au monde, bon Dieu qu'elle a envoyé au monde, monde n'a pas même contre bon Dieu, puis bon Dieu choisi pour accomplir qui ça? Yon mission. Ainsi, écoutez, gen moun qui capable, dans le secteur évangélique là, qui parle mes affaires, l'église, qui a fêté Noël. Yo, associé Noël avec même fête païenne, qui était qu'on fêté dans l'Empire romain. Et les chrétiens qui ont fêté Noël, en pile, ils ont dit comme ça que
monde ça c'est babylonien. Qu'il y a question que n'a posé qui c'est deuxième question, la Noël est-elle chrétienne ou païenne? La Noël, la célébration de la naissance de Jésus-Christ est-elle chrétienne ou païenne? Mes réponses là, à tout le monde qui a écouté et ou même qui là et moi qui un bon coup là qui sous qui a écouté en direct, mes réponses là sur la base de la parole de Dieu. Est-ce que Noël sont fêtes païennes ba nous ou bien sont fêtes bible ba nous? Et que tout le monde réalise que bon Dieu pas compte fête. Gen l'église qui pas remet en des fêtes parce qu'elle dit bon Dieu pas dans fête. M'a voye moun sa yo à lire Lévitique chapitre 23. Ou a joine que Israélite yo te kon célébrer 7 fêtes. Bon Dieu te mandé pour te fêter. 7 fêtes ça c'était 7 fêtes historiques que te kon toujours fêter. C'était 7 fêtes tout qui te qui était prophétique parce que cette fête ça yo t'est réalisé dans la venue de Jésus-Christ et gon partie dans fête ça yo qui pas qu'on réaliser qui gagne pour réaliser mais c'était des fêtes que Israélite était qu'on fêter et gagne qui dit si bon Dieu te voulait célébrer fête de la naissance de Jésus-Christ l'étape mette dans la Bible là même Jean li mettait fête Pâques il t'a mette dans la Bible là. OK. Ça sont belles questions. Et mais n'a répondre est-ce que fête Noël les chrétiennes ou païennes? Écoutez mes bien-aimés, si on moun si gon carnaval dans la rue et puis ou saute travail, c'est dans mi-temps carnaval là pour passer pour aller la caillou. Yon moun pa ka kwazo pendant ap traverser la rue parce que t'es gen carnaval, parce que moun t'ap danser, li kwazo pour traverser la rue pour dire comme ça, bon reste là. Ou t'es dans bande dans tout non yo war dans la rue mais ça pas veut dire que t'es dans bande dans tout petit exemple ça il capable paraître compliqué mais simple et choisissons date pour fêter naissance Jésus-Christ même si c'est ton pape qui te prend même si Constantin t'a favorisé liberté religieuse eh bien date là malgré t'es une fête païenne qui t'es fait dans date là mais ça chrétien fait dans date là et pas activité païenne ni chrétiens ont fêté la naissance de Jésus-Christ. Maintenant, ma question pour nous est-ce que il y a une provision dans la Bible pour nous fêter la naissance de Jésus-Christ? Réponse là c'est oui. Tout le monde qui a besoin qu'on est-ce que il y a une provision dans la Bible pour fêter la naissance de Jésus-Christ, on peut aller dans plusieurs passages pour avoir une provision. Premièrement, dans le passage que nous sommes lire là, dans Luc chapitre 2, nous joignons que premier groupe moun ki descend vin fè fête pour le Jésus-Christ fête premier groupe créature de gali c'est les anges. Les anges qui ça dit là il dit comme ça et soudain verset 13 Luc 2 il se joignit à l'ange qui ça une multitude de l'armée céleste louant Dieu comment louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Regardez. Ange descend, vient faire louange pour le fait que Jésus-Christ fait. Si un groupe de chrétiens décide qu'il y a rencontré pour célébrer la naissance de Jésus-Christ, si on monde dit le gon bagay contre ça, eh bien le gon bagay contre ange tout. Parce que ange te descend. Maintenant, le ange descend, pour qui ça descend? Ange descend en façon pour yo voyer berger yo al fêter. Ange descend pour ba on annonce pareil. Pour qui ça ba on annonce? Et non, pour qui ça ba on annonce? Ou ba on annonce pour que moun ka tandel et pour que moun ki tandel la ki sa pou faire? Publier annonce là. Fè l'autre moun konn ça. Ou attendre ki ça dit dans verset 15. Luc 2, lorsque les anges les eut quittés pour retourner au ciel, les bergers se disent les uns aux autres, lis avec moi. Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Yo allé qui côté a trouvé yo? Y a trouvé yo. Yo joine Marie, Joseph et bébé l'enfant Jésus couché qui côté ça dans crèche là. Et qui ça berger était fait les arriver? Lis verset 20 avec moi. Les bergers s'en retournèrent triste
Et ça, et son lit là, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qu'il avait été annoncé. Yon moun gen doit gen conviction personnelle li qu'il pas célébrer Noël. Mon pas gen droit pour transférer conviction à un autre moun alors que conviction là n'est pas complètement biblique parce que nous ouais là dans naissance Jésus-Christ ange descend vient communiquer à berger ou puis à le fêter. Et c'est pas berger avec ange seulement. L'oli bien, ou après, ange fêté, berger fêté. Et qu'on y a, ou bral, ouais, ça qui passe. Ou il y a les mages. Les mages, l'on lit, non, et sous-prenant, m'bral dans Matthieu. On fait un bac dans Matthieu. Ou après que, il y avait des mages qui étaient sortis en Orient. Yo te gagné plusieurs mois, nous ka dit. Yo t'a voyagé, yo t'a marché. Pour qui raison? C'est parce que yo t'a aperçu yon étoile, yon corps céleste en l'air qui part en tout corps céleste. Li marché. Et le yo perdu, yo pa wè li yo chaché, yo rejoigni yo wè encore. Qui sa mari sa t'a fait? Yo t'a cherché Jésus. Et nous tombons dans la question ça parmi monde qui vient cap fêter yo c'est qui était les mages et moi c'est Magoy c'était des savants et yo était sorti dans pays la Perse jodia c'est pays ça que nous les Iran imaginez yo saute en Iran pas grave yo non hein yo pralé qui yo voyageur du mené qui connaît ça Israël c'est que il y a des bois depuis à voyager et monsieur ça c'était des savants il était à la fois des astrologues et des théologiens ce n'est que cap consulter les astres cap faire études il était à la fois astrologue et astronome et il était aussi des théologiens parce que nous joignent les arrivé à Jérusalem yo joignent avec Hérode nèg yo parler dans connait qui connaît la Bible. Et si mon magoy là, il veut dire des savants. Et tradition dit, il était Melchior, Giza, Gaspar, Balthazar. Notez bien, et pas trois nègres. C'était un groupe nègre. Un groupe de savants. Et si dans tête, il était trois mouns, que tradition dit, that's okay. Mais c'est un groupe savant qui t'a cherché qui côté. Et Messie a fait. On dit dans Luc 2, parce que d'après la question, qui étaient les mages, mais pas oublier, d'après aussi répondre à la question, est-ce que on a le droit pour célébrer Noël? Eh bien, ange célébré, berger célébré, là, d'après qui ça? Magio célébré. Verset 1er, Luc 2, Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du Hérode, voici des mages d'Orient, tant comme des deux messieurs qui sortit. Dans le pays Perse, Iran, voici des mages d'Orient arrivés à Jérusalem et dire, qui ça m'a dit? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ouais, n'est-ce pas Biblio? Car nous avons vu son étoile en Orient, nous sommes venus pour l'adorer. Étoile que vous avez, pas n'importe étoile. En pile théologien dit que son étoile qui brillait, même Jean Israël, il te le Shekinah, gloire de Dieu qui t'a couvri, qui t'a servi de guide pendant le désert là. En pile théologien, un commentateur a entendu plus dire étoiles ça sont étoiles qui pas naturelles, sont étoiles surnaturelles. C'est l'étoile de Bethléem, c'est la présence de Dieu lui-même et qui t'a guidé magio. C'est la présence de Dieu lui-même qui t'a témoigné que l'enfant Jésus est né. Un enfant nous est né, un Christ, un fils nous est donné. Ok, et c'est les mages. Il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Quand nous avons vu son étoile en Orient, nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il fut troublé, tout Jérusalem avec lui. Ce qui fait que pour Hérode troublé, tout Jérusalem, il a appris une nouvelle magie. Là, c'est que
son équipe nèg qui débarqué et tout le monde au courant que gon équipe nèg qui débarqué qui sorti loin et a cherché un roi qui fait et qui est-ce qui était roi pays dans les arts Hérode sou dit gon l'autre roi qui fait qu'on bailler autre problème Hérode assemble à tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple leur dit principaux sacrificateurs les scribes Hérode assemble monde qui connait la bible pour dire est-ce que nous comme causer ça et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Verset 5. Qui ça veut dire? À Bethléem, en Judée. Scribio, sacrificateur dit Hérode. Voici ce qui a été écrit par le prophète. Qui prophète on est? Miché. Miché était prophétisé environ 500, 600 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car, qui ça? De toi sortira un chef qui pètera Israël. Mon peuple. Ouais. Regardez. Comment se fait-il? Magio, qui saute dans le pays païen, Perse, Iran, yo konon bagay avant scribio, sacrificateur Ronel. Aïe, go koze, oui. Pays côté roi fait là, gros nek qui suppose kon bagay yo par au courant de rien. C'est nèg bien loin que vinn dire nous pas tande gè on a qui fait et pour nèg ça été paraître côté Rod c'est des hommes étant comme d'autre c'était des savants c'est des hommes qui gagnent gros autorité oui yo gagnent gros nous t'es capable utiliser mot ça yo gagnent gros pouvoir pour capable paraître à Jérusalem puis demander puis voyer Rod comprend et Rod recevoir yo. Et puis regardez, nèg tellement senti gagne pouvoir comme deux grands diplomates, ils disent Hérode, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Vous comprenez? Pour camper devant roi, pour dire roi ça, c'est que ou pas n'importe qui bagaille. Et faut en réfléchir qui va bien. OK? Et puis il dit nous avons vu son étoile en Orient et puis il dit comme ça et nous sommes venus pour l'adorer. Hérode a réfléchi. Si gagne pour adorer. Bon non. Et moi pour n'adore t'adorer bon. Qui nèg ça fait là? Gros nèg tant pour nous, gros potent tant pour nous, gros savant tant pour nous, magoy, nous venir pour n'adorer nèg ça. Il veut ça les Hérode sentir il y a difficulté lire les nèg ça fait bon côté lui ça qui dit qu'à inscrire pour dire est-ce que nous connons causer ça? Nèg dit oh oui, Michel est mauvais disait ça oui. Bethléem moi fait verset 7, Luc 2. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et sans qu'ils soient heureusement auprès d'eux, depuis combien de temps l'étoile brillait? Ouais, Hérode a cherché des informations. Depuis quelle heure nous avons une étoile ça, la brillé? Puis il les envoie à Bethléem. Mais ça le dit, nous mettons aller pour information sur petite ça qui fait là. Les nous joignent ni femme connaît pour que même tout m'a l'adoré. Nous tous connaît. C'est pas vrai, parce que nous parlons plus devant. Après avoir entendu le roi, ils partirent, majori, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux. Wali, regardez, étoile l'a guidé. Même Jean, Shekinah, gloire bon Dieu, t'a guidé Israël, le dans le désert là. Hein? Voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient, qui fait que depuis la caillou, oui, dans le pays Iran, oui, étoile la marche pour guider. N'a pas parlé de GPS. Dim ça, ça y est. Pas la même de Salini, ça y est même. Ça, son GPS divin, oui. Depuis en Iran, n'est-ce pas sorti, pays la Perse. Étoile la guider jusqu'à ce que étoile la campe, Bethléem, étoile la dit, you have arrived. Et. L'homme Bible là, comme ça pour lui, you have arrived. Là pas lui, on gagne la joie pour appeler histoire ça. Malgré lui plusieurs fois, chaque ton lui, ou sans tout bon compréhension qui vient upgraded or updated. Tandis que ça dit dans verset 9, Luc 2. Et après avoir entendu le roi, les mages partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, l'étoile s'arrêta. Ouais. You have arrived. They are, you know, at destination. Étoile l'a été.
les mages, quand ils aperçurent l'étoile, dis-moi non. Ils furent saisis qui ça? D'une grande joie. Ils ont fêté. Ils ont joie. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas célébrer Noël, ils ne peuvent pas célébrer le sang de Jésus-Christ. C'est dit, ils disent, berger en toi. Bon, encore non. Ange en toi. Qui ça encore? Mage en toi. Hein? Parce que c'est pas. On chrétien pas fêté Mitra. Chrétien pas fêté Noël païen. Chrétien fêté la naissance de Jésus-Christ, l'incarnation du Fils de Dieu. Et la parole a été faite chair. OK? Et dans verset 10. Et nous songe avant le verset 10. Nous songe le Jean-Paul II et tapé visiter Haïti. Quoi on qui était Haïti les hein? Les papes là t'as visité Haïti. Préparation faite pour faire ça. Tout le monde a pas prendre chant. Allons fête. Les papes viennent visiter nous. Et ben ça. Tout n'a pas dit alléluia derrière papes là. Écoutez non, m'a pas arrivé. Jésus-Christ vient sous terre. Premier groupe qui dit alléluia c'est ange. Deuxième groupe qui dit alléluia c'est berger. Troisième groupe qui dit alléluia c'est qu'est-ce que Major de Magoy. Et les plus petits comme les plus grands fêtés. Les plus petits, c'est berger. Les plus grands, c'est major. Et puis dans verset 11, le major arrivé. Non, alors, on a dit Luc Taléa, mais c'est Matthieu, oui, excusez-moi. Donc on est Luc 2 avec Matthieu 2 et tous les deux qui ont raconté l'histoire. Mais là, on a Matthieu 2, oui. Il dit comme ça. Quand ils aperçurent l'étoile, dans Luc 2, verset 10. Matthieu. Matthieu 2, verset 10. Et soit sur Wemdou, Matthieu 2, Luc 2, et parce que tous les deux bas, dans chapitre 2. Il dit, dans Matthieu 2, verset 10, quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Qui ça a fait, Majo? Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec les ça, avec Marie, sa mère. Qui ça, Majo, fait? Se prosternèrent, et qui ça? L'adorèrent. Alors, pour mon dire, son problème lié pour nous célébrer naissance Jésus-Christ, pour nous prosterner, pour nous adorer, pour nous dire mon Dieu merci. Majo fait là. Et tandis qui ça qui va encore? Et il dit, ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent ça en présent, qui ça? De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Nous avons fait étude sur toi, offrandes à eux. C'est des présents que Majo pote, oui. Mais présents à eux, ce n'est pas par accident que pote. Et pas par accident. Parce que Jésus-Christ, il exerce en une seule personne trois ministères. Il exerce ministère comme prophète. Il exerce ministère comme sacrificateur. Il exerce ministère comme roi. C'est trois fonctions qui sont dans Christ là. Christ est à la fois prophète, roi et sacrificateur. Et trois fonctions. Et par exemple, dans cadeau de Jésus-Christ là, l'or, l'encens, la myrrhe, eh bien, l'or là, c'est symbole royauté. Et major reconnaît que Jésus-Christ est roi. Est roi. Et après ça, nous mettons l'encens, qui sont encore la myrrhe. L'encens avec la myrrhe, chaque cadeau ça yo représente fonction Jésus-Christ exercé comme sacrificateur et puis comme prophète. L'encens, l'or pour royauté, encens, sacrificateur, la myrrhe, prophète. Et chaque représente un aspect dans le ministère Jésus-Christ. Et pas par accident. Que te potel. Puis tandis que ça verset 12 a dit. Puis divinement averti en songe, dans Matthieu 2, de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays, comment? Par un autre chemin. Mais question, Hérode te dit, ça, depuis nous une petite là, vin dim ça, pour moi-même tout, pour me faire qui ça? Pour m'en adorer. Bon Dieu dit, pas tourner côté Hérode. Il voyait, yon ange assurément dit un ensonge, pas tourner côté Hérode. Effectivement, nous avons ça qui passe. Puis après, m'abgeta pour m'lire, Hérode allait, li fait massacrer, tuer
tout petit monde qui a qui minimum l'âge 2 ans, de 0 à 2 ans, puis le petit monde mourit, oui. Période de sans Jésus-Christ, c'est pas une période de joie sans malheur, non? Il y a une période de tristesse, ton période de douleur, en pile moment, t'as crié. Depuis l'Ancien Testament, il y a quelqu'un qui a prophétisé ça, oui. Et que il y a des gens qui ont crié. D'ailleurs, dans le passage, ça, nous voyons que pour Jésus t'échapper en bas, on ange, dans verset 13, là, il dit, lorsque les mages furent partis, voici un ange du Seigneur, dans Matthieu 2, apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Tout bagaille, ça, tout est écrit dans la prophétie, oui. Parce que le prophète était prophétisé, bon Dieu te dit, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. En d'autres termes, Jésus-Christ est gagné prophétiquement pour la cacher en Égypte pendant Hérode a essayé de sacrifier Timonio. Ainsi, qui question que nous répondons jusqu'à présent, Christ est-il né un 27 décembre? Non. 27 décembre sont dates qui choisies par pape Liber et à partir de liberté religieuse Constantin et date ça au lieu que yote quitté fête païenne que t'a fêté la fête du soleil invaincu qui te correspond à une divinité païenne, eh bien l'église à travers le pape t'a scellé date ça puis célébrer la naissance de Jésus-Christ. Et thèse que t'a défendre c'est est-ce que parce que Yon moun, son pape, et puis il pose un acte, est-ce que parce que le pape là, acte là pas bon? Et puis, réponse que nous avons baillé à l'heure, c'est que, bon Dieu, qu'on permette yon moun, pose un acte, hein, sans que même moun n'a pas un pour qu'il s'alpose acte là, et puis bon Dieu choisit pour que le glorifie non à travers acte là. Nous avons pris un exemple dans Isaïe 45, les Israélites étaient dans captivité. Pour être sur la captivité en 445 avant Jésus-Christ, bon Dieu t'a choisi, yon païen que t'es les Cyrus. Et puis c'est Cyrus qui t'a baillé, qui t'a signé décret, Israël qui met tout nez la caillou. Et bon Dieu t'a les Cyrus, mon ouin. Ainsi, la Bible approuve-t-elle la célébration de la naissance de Jésus-Christ? Mon qui sa réponse là? Oui. Dans la biographie de Jésus-Christ, il y a la crèche. La crèche parle de son incarnation. Il y a la croix. La croix parle de sa crucifixion. Et puis, il y a la couronne. La couronne parle de sa résurrection. Qui fait que, ou pas capable d'avoir une biographie complète de Jésus-Christ, si ou pas parler de son incarnation, sa crucifixion et sa résurrection. Ou pas capable d'avoir crucifixion avec résurrection, sous pas capable incarnation. Qui fait que la Bible approuve la célébration de la naissance de Jésus-Christ. Kounia, mon autre question. Quelle est la différence entre théophanie et épiphanie? Quand est-ce qu'on l'a condamné épiphanie? On a épiphanie. Théophanie. Ok. Et, je ne vais pas prendre un passage qui correspond à la question. Mais nous connaissons avant Jésus-Christ t'es né à Bethléem, avant que l'enfant Jésus était né, il était qu'on fait des apparitions dans l'Ancien Testament. Apparition ça yo, c'est apparition côté que il prend une forme pour venir accomplir une mission. Et c'est ça les théophanie ou bien grec là dit théophanéin ou bien il veut dire apparition de Dieu. Et Dieu apparaît ou bien bon Dieu prend une forme. Lorsque Abraham te campé devant l'Éternel, l'a défendu, Sodome et Gomorre, si t'as gagné 10 jus, mon était campé devant l'an, c'était qui était l'Éternel. L'Éternel. Et, d'ailleurs, dans Jean 8, verset 51, verset 48 à 51, Jésus-Christ dit full monde qui t'a, il t'a, répondre yo a des questions que yo pas très mais li te dit comme ça et avant qu'Abraham fût qui ça je suis qui fait que et ça te veut dire que c'est bon Dieu que lié et Jésus qui dit comme ça Abraham
a vu mon jour et il s'en est réjoui. Comment Abraham t'a fait contre Jésus-Christ? Hein? Abraham t'a contre Jésus-Christ dans sa théophanie, dans la forme que le t'a emprunté. Maintenant, lorsque Jésus-Christ naît, ça s'est appelé épiphanie. Épiphanie, c'est la manifestation, l'incarnation du Fils de Dieu. Est-ce que Jésus-Christ naît le 25 décembre? C'est clair, ça n'a pas besoin de trop parler en pile sur lui. Tout le monde qui a écouté, quelque chose qui a écouté, Jésus-Christ n'est pas fait le 25 décembre. 25 décembre, son date, choisi. Vous avez dit comme ça, parce que vous avez choisi cette date-là, nous ne devons pas fêter. Eh bien, son, si nous voulons fêter, il faut que son date quand même pour nous fêter. Et une réponse qui est valable, qu'on doit noter, pas de meilleur heure pour communiquer à moun qui fête yon Noël païenne, qui sa qui se Noël chrétienne. Sinon, nan moment y a fête Noël païenne qui correspond à la tradition païenne, nous fèmen bouche, nous n'ap gade yo, nous pas rien de se, nous n'ap pas compris. Mais si nan moment y a fête Noël païenne yo, nous campé devant Noël païenne yo, pour nous dire comme ça que, qui te m'parle de Jésus. Qui te m'parle de Christ ça, non yon jour, même si tu pas un jour, il te descend. L'elle descend, alors le Christ fait, me dit, ange descend pour célébrer, berger yon commence à célébrer, et puis magie vini qui ça, yon célébrer. Gen moun qui dit, pour nous te célébrer naissance Jésus-Christ, il faut que nous te wè l'ordre là te bay dans la Bible. Pour nous célébrer naissance Jésus-Christ, il faut que nous te bon Dieu te ban nou date là. Regardez, moi qu'a célébrer naissance Jésus-Christ n'importe qui l'aime sous base 1 Corinthiens 10:31. Qui ça 1 Corinthiens 10:31 dit? Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit donc que vous fassiez qui ça quelque autre chose, qui ça dit? Faites tout pour la gloire de Dieu. Et si gen moun ki dans l'église mais sac nan tête c'est mitra, c'est la fête du soleil invaincu, si yo pa le fêter Noël, ça c'est yo pa le fêter. Mais si moi même sac nan tête moi, c'est pas mitra ni la fête du soleil invaincu, sac nan tête mais sac nan comme c'est Jésus, eh bien même Jacques berger yo, même Jacques magio, même Jacques angio, eh bien m'a dit gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a grillé. Ainsi, lorsque Jésus-Christ incarné, la théophanie ou bien la christophanie est devenue une épiphanie. Vous comprenez? Christophanie, li sorti nan pran yon forme, koun ya sa k pase, li manifesté personnellement. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et puis il dit ça dans verset 14, Jean 1er, et la parole a été faite comment? Chair. Il dit, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et puis il dit, et nous avons contemplé sa gloire. Bon, bonne question. Qui ça veut dire union hypostatique? Union hypostatique. Hypostatique, H-Y-P-O-S-T-A-T-I-Q-U-E. Ça veut dire union hypostatique. Et pour nous répondre à la question ça, on besoin seulement aller dans Philippiens. Philippiens, Galates, Éphésiens, Philippiens chapitre 2 verset 5. Tandis qu'il s'agit dans Philippiens chapitre 2 verset 5. Dit comme ça. Et ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, ouais, Jésus-Christ est Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Ouais, verset ça t'a enseigné nous que Jésus-Christ est égal avec Dieu. Mais qui ça Jésus-Christ fait? Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme qui forme de serviteur en devenant semblable aux hommes. Qui est Jésus-Christ t'est devenu semblable aux hommes dans son incarnation à sa naissance. OK? Et il apparut comme un simple homme. Un simple homme. Verset 7 là, il parlait de la crèche.
ouais, de la crèche. Et il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparaît comme un simple homme. Et né non étable. Et puis, Kounia, verset 8, a parlé concernant la croix. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Monde qui paraît comme un simple homme, non? C'est qui monde nié? Parce que verset 2, verset 6 dans Philippiens 2 a dit comme ça. Il existait en forme de Dieu et il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Jésus qui c'est Dieu. Et puis, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes. Jésus qui c'est homme. Ainsi, Jésus qui c'est 100% Dieu, 100% homme. Et c'était que sans péché. En Jésus-Christ, la divinité rencontre l'humanité. Regardez, dans Genèse, les bons diables créés dans l'idée comme ça, faisons l'homme à notre image. Dans le livre de la Genèse, l'homme est créé à l'image de Dieu. Mais lorsque Jésus-Christ fait, c'est Dieu est venu prendre l'image de l'homme. Ouais, nous voyons là. Hein? Dans Genèse, l'homme créé à l'image de Dieu. Et puis, dans les évangiles, lorsque Jésus-Christ fait, c'est Dieu qui est devenu prendre l'image de l'homme. Et c'est ça, où il est union hypostatique. Tous les deux réunis dans un seul monde. Et non seulement ils réunis avec Jésus, ils ont tous les deux réunis et sans péché. Union hypostatique. C'est ça, moi, je dis. Étudiant en théologie, et font-il rappel sous union ça? 100% homme, 100% Dieu, mais sans péché. Verset 7 a parlé concernant, il s'est dépouillé. C'est ça, le kénosis, la kénose. Son mot qui veut dire, lorsque Jésus-Christ a quitté ciel là, il n'est pas descendu sous terre avec toute gloire qu'il a dans le ciel là. Il est dépouillé. C'est dans l'image là, il est dans qui chargé les âmes sur lui-même avant de rentrer en côté. Il dit, ou pas qu'il vient avec les âmes, ça le fait. Il a quitté les âmes dehors. Et puis il rentrait sans âme. Si Jésus-Christ est venu avec toutes âmes, toute gloire, il descend sous terre, nos tables diront ça, n'est-ce que ça n'a pas semblé avec nous. Parce que Jean vient tout ça, le nous pas gagné. Bible a dit, il paraît comme un simple homme. Il dépouille, il vide. Et peut-être ça, tout ce que Jésus-Christ a fait pendant qu'il était sous terre, avant de faire miracle, quel que soit ça l'a fait, qui soit elle fait avant? Il priait. Il demandait papa. Et puis, il demandait papa autorité pour le faire, ça l'a fait. Et puis, il dit à bouche, parle, tout ça m'a fait. C'est papa qui va me faire. Et dans Jean 17, lorsque Jésus-Christ s'est approché vers la croix, il tellement connaît que l'Église a accompli le travail que tu es venu pour le faire. Il dit, papa, moi achevé le travail que tu voulais me faire, oui. Il dit comme ça. Et mais Kounia, glorifie ton fils de la gloire que tu as gagnée ensemble avec vous avant que le monde fût. Vous voyez? Ça qui veut dire que l'aile qui était ciel là, il dépouillait de gloire ça. Hein? En façon pour le caparer comme un simple homme. Une union hypostatique. 100% homme, 100% Dieu. Et c'était sans péché. Grande question, on m'a posé. Est-ce que l'incarnation de Jésus-Christ était temporaire? Est-ce que l'humanité que le te prend, son bail est temporaire? Et notez bien, on connaît un monde, même dans le milieu soi-disant évangélique, qui fait connaître que Jésus-Christ n'est pas ressuscité corporellement. Il dit comme ça, et tout le bail est en esprit au fait. Et peut-être ça, il dit comme ça, même Jean-Antoine, Jésus-Christ pas tourné corporellement. Dépend où on prend Jésus-Christ pour sauveur, Jésus-Christ tourne pour vous dans le cœur. Ou comment d'autres n'ont pas dit? Mais ce n'est pas ça, la Bible enseigne. Nous voyons que lorsque Jésus-Christ est ressuscité, disciple Maël, l'aile paraît dans la chambre haute là, il dit comme ça, Maël, et pour un esprit là, il dit, Maël, moi, j'ai un chien, j'ai un zo. Thomas, tu es doutant, pile. Thomas dit, mon Seigneur et mon Dieu. Nous, même que Jésus-Christ mangeait, il mangeait, mon esprit, on mangeait.
Hein? Jésus-Christ mangeait avec eux. Et nous joignons que 40 jours après la résurrection, Jésus-Christ montait sur le mont des Oliviers, dans acte 1er. C'est son ascension. Il montait et la lunette, il quittait. Et puis deux anges descendent. Il y a des disciples, Homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ange a dit, ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Alléluia. De la même manière. Qui ça a dit? Et demain, même genre. Où est Maclou? Il était prêt dans les lieux. Humanité de Jésus-Christ. Avec tout Maclou, il a prêté sous lui d'après la Bible pour le temps d'éternité. Il va jamais changer. Tellement c'est vrai. Dans l'Apocalypse, les apôtres et Jean ont vision. Où est Jésus? Comment est-ce? Il est avec Maclou. Il est avec Maclou dans Mel, dans Piel. Et puis il est que c'est Jésus. Qui fait que l'humanité de Jésus-Christ, il prend pour tout temps. Le nom arrivé dans le ciel, là, le nom est Jésus. Nous prenons Jésus qui est main percé, pied percé. Et, tant que nous avons chanté des fois, ma va à Oueli, comment? Ma konen li, pa ma klouyo, que li gen ki ou de sa? Nan men li. Nan men li. Et, yon dernière question que m'a géré rapidement avant que m'a nous poser deux, trois, avant que nous fermer, c'est. Pourquoi la naissance virginale de Christ est-elle importante? Pour qui, virginale sortie de vierge. Pour qui ça, l'était important pour Jésus-Christ est né, donc vierge? Et Matthieu 7. Alors, Matthieu 1er. Claire sur question ça, en la donne. Il dit comme ça, dans Matthieu 1er, verset 18, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Il dit, Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte. Comment Marie était-elle enceinte? Par la vertu du Saint-Esprit. Puis la Bible a expliqué bien, avant qu'ils eussent habité ensemble. Non seulement le Saint-Esprit enceinte, et puis donc ça, avant qu'ils aient habité ensemble. Pour mettre accent sur le fait que, petite ça, bon, reste là. Il n'est pas petit boss Dieu. Il n'est pas petit Joseph. Non, zéro barré. D'ailleurs, il dit comme ça, dans verset 19, Matthieu 1er, Joseph, son époux qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre, comment? Secrètement, comment? Avec elle. Et, en tout cas, pour faire une longue histoire, il m'écoute, l'ange a parlé avec Joseph. L'ange a dit, Joseph, ça m'arrive de là, c'est ça. Verset 22, Matthieu 1er, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Qui ça l'a annoncé? Voici, la vierge sera enceinte, ou bien la jeune fille, Parthénos. Qui pas connaît, garçon, sera enceinte, elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. On prophétie qu'il a depuis dans Esaïe, chapitre 7, verset 14. On prophétie qu'il a 700 années, il a accompli dans Timari. Timari, lui, qui a porté de l'eau Bethléem. Timari, alors Nazareth, Timari, lui, qui a porté, qui a été, si toi qui étais sous d'autres jeunes filles, qui a été bien. On Timari, qui est-ce qu'on a choisi pour porter Jésus? Timari. Et bien, écoutez bien. Passage dit comme ça, verset 24, Matthieu 1er, Joseph s'est réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais, il dit encore verset 25 là, oui, il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Raison qui fait que naissance virginale de Jésus qui est importante, son doctrine qui est importante. Si Jésus Christ pas né dans vierge, toute doctrine nous est tombée, oui. Donc, on dit ça. Gros, si Jésus-Christ pas né dans vierge, tout soir n'a prêché ou pas campé son rien. Depuis le pas né dans vierge, c'est que il gagne péché. Et s'il gagne péché, il pas autorisé pour le mourir pour péché. S'il gagne péché, c'est qu'il pas mon Dieu, parce que mon Dieu sans péché. Ainsi, tant à lui, et maman dit fermé pour poser question. Depuis Adam et Ève, ça qui fait péché passer c'est parce que péché à travers passé à travers Jemna, ils ont un garçon. Par exemple, David dit, voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu
dans le péché. Ainsi, la vie. Allez, fia, the fia, c'est recevoir sa garçon, bah, là. J'aime un garçon, vous autres. Et si c'est gars, Joseph qui a marié, j'aime Jésus, là. Jésus fait, non péché. Et c'est raison ça, qui fait que, pour Marie est enceinte, c'est Saint-Esprit qui met main. J'aime. Bon, nous, qu'à comprendre ça? Si Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu, hein? Nous racontons pas aller? Si c'est le petit bon Dieu et bon Dieu veut besoin que le grand corps pour venir sous terre, et ce qui laisse bon Dieu à faire qui baille j'aime Jésus? Bon Dieu encore? À travers Saint-Esprit? Mais c'est Saint-Esprit couvre Marie. Mais pour qui ça bon Dieu va faire? Bon Dieu fait Adam et Eve avec Mel. On dit ça, bon Dieu fait Adam et Eve avec Mel, là, oui. Et puis, il a fait Adam et Eve avec Mel. Qu'est-ce qu'il dit? L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Qu'est-ce qu'il dit? Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devient un être vivant, ou bien une âme vivante. Mais si bon Dieu fait Adam et Eve avec Mel, eh bien, Timari, c'est l'esprit qui parle de Timari, enceinte, bon, oui. Alors, c'est l'esprit qui couvre Marie, l'enceinte, lui. Et Marie vit enceinte, et j'aime qui bat Jésus-Christ. C'est le germe de Dieu. Ça fait Jésus-Christ fait sans péché. Amen. Et non seulement ça, Jésus-Christ est là campé devant tout le monde. Comme ça le dit, non seulement nous dit Jésus-Christ fait sans péché. Jésus-Christ dit à bouche parler sans péché. Oui? Jésus-Christ campé devant tout le monde, tout monsieur qui parle le mal, il dit comme ça, qui de vous me convaincra de péché? Et puis il dit comme ça, le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Peut-être ça, il y a des calendriers plusieurs fois, parce que c'est seul bon Dieu qui s'empêche, mais Jésus-Christ dit ça, il pas gagné péché. Eh bien, ma présumé, ça me saute d'une là à souhait, après ça, ma bonne chance de poser deux, trois questions, ma voyez mon qui en ligne aller, il y a pas tarim à aller, non, il y a plus qu'en vingtaine cap suivre depuis qu'il a commencé. Mais ça me t'aide de nous, c'est que, dans Hébreu, qui c'est le dernier passage, ma prends pour à souhait, dans Hébreu, tendez comment pour un monde comprendre Jésus par rapport à la saison ça. Le Jésus-Christ né dans la saison ça. Et ça n'a pas célébré, la suprématie de Christ, la supériorité de Christ. Et puis aux Hébreux, mettez accent sur ça. Tendez qu'il s'agit dans verset 1er, Hébreux chapitre 1er. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, lisez ça moi. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. En parlant de Christ là, et qui, mis pour Christ, étant le reflet de sa gloire. Vous avez causé? Et l'empreinte de sa personne. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante, qui Michel Devine fait? Il a fait la purification des péchés. Et s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts. Puis bon, verset 4 là ensemble. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. C'est ça qu'on t'a dit dans Philippiens 2. Là. Si l'incarnation. Et la crèche parle de ça, de son incarnation. La croix parle de sa crucifixion. La couronne parle de la couronne parle de sa résurrection. Ou pas ouais? Non, Philippiens 2 le dit comme ça. C'est pourquoi Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus qui ça de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et m'a conclu comme ça. Gain l'église qui pas célébré naissance de Jésus-Christ. Et yo libre yo pas fait ça. Nous pas quoi que Christ fête 25 décembre. Mais nous quoi que quelle que soit date yo moun choisi pour célébrer naissance de Jésus-Christ comme 25 décembre. Non, le côté que païen yo gon mauvaise compréhension de Jésus-Christ. Pas gen meilleur pour nous bailler l'évangile,
pour nous dire que ça petit ça qui fait là, qui c'est Jésus, livre né dans vie nous. À tous ceux qui l'ont reçu, Jean 1:12, à ceux qui croient qui ça, en son nom, Jésus-Christ la parole leur a donné qui ça, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsque monde là nan Noël païenne et puis l'église ferme bouche li, ou rate yon belle opportunité pour nous bay monde là qui ça, l'évangile. Mais nous même nous pas faire comme ça. Même gens avec berger yo, même gens avec qui ça encore, magio, même gens avec angio, eh bien n'a fait tout le monde connaît que nous pas fait mitra. Nous pas fait éloge pour pape Libère. Nous pas fait éloge pour Constantin. Mais bon Dieu qu'on utilisait même monde qui pas connaît pour faire un bagaille qui bon rivé fait. Et nous joignons ça dans la Bible là. Et sous base ça, nous espérons que toute question ça yo que nous t'ai posé à soi à la joindre réponse yo. Christ est-il né le 25 décembre? Non, la Noël est telle que chez nous païenne et ça dépend de son fêté. Nous même nous fêtons la naissance de Jésus-Christ, nous fêtons la Noël chrétienne. La Bible approuve la célébration de la Noël. Oui, berger, ange, magio, yo tout te fait. Qui différence qui entre théophanie et épiphanie? Eh bien, si dans l'Ancien Testament Christ est qu'on prend forme, théophanie dans le Nouveau Testament, il manifesté. Épiphanie, union hypostatique, Jésus-Christ fait 100% homme, 100% Dieu. On va noter verset prophétique qui était parlé de naissance de Jésus-Christ, Genèse 3, verset 15. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, tu lui baisseras le talon. Esaïe 7, verset 14. Voici la vieille sera enceinte, etc. Elle enfantera un fils. Et Esaïe 9, verset 7, 9. Nous comptons ça, oui. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et là, domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Qui était le mage des savants qui est sorti dans pays la Perse, que nous les Iran aujourd'hui, pour qui sa naissance virginale Jésus Christ est importante? Et parce que si Jésus Christ est péché, pas grand rien que nous caprécher qui bon, parce que n'a fait éloge pour un monde qui est péché. Monde qui est péché, pas qu'à aider monde qui est péché. Son monde qui sans péché, qui a aidé mourir pour monde qui sans péché. Et l'humanité de Christ, est-ce que le temporaire ou bien l'éternel? Jésus, l'humanité de Christ est éternel. L'ennemi dans le ciel là, n'a pas Christ là. Parce que Dieu est esprit. Dieu est devenu chair à travers Jésus-Christ. Sans Jésus, nous ne pouvons jamais connaître à qui ça, mon Dieu, semblait. Mais gloire à Dieu pour ce si grand salut qu'il nous donne en Jésus. Et tout le monde dit amen. Et pendant que nous quittons le monde qui est en ligne, nous allons bien regretter ça. Mais nous souhaitons que vous allez retendre l'étude là, pour vous retendre et étudier la caillou pour que vous soyez capable de réaliser que son bon bagage pour nous célébrer la naissance de Jésus-Christ. Et son monde n'a pas de provision biblique pour ça. Frappez 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangez, soit donc que vous buviez, soit donc que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour qui ça? Pour la gloire.